Salut à tous, c'est Alex le serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tropico 6 et ça commence fort avec une élection. Et ben c'est parti. On avait un petit problème, peut-être la foi effectivement qui pose problème, mais bon, là on essaie de devenir rouge, donc bon, on va peut-être pas se concentrer sur la foi. Loisirs, les logements. Je reconnais qu'il y a un problème de logement. On essaie de devenir rouge, donc on va louer les communistes. On va accuser du coup les puissances occidentales. On va promettre des améliorations au niveau... Où est-ce que ce serait facile? Peut-être les logements malgré tout. Ouais, j'ai pas beaucoup de sous, hein. Fais gaffe quand même. Allez. Mes amis, mon peuple, bienvenue dans un nouvel âge d'or et de prospérité pour tous les tropiciens vivants. Tout cela n'est possible que grâce à votre confiance, à la confiance que vous m'accordez à moi. Il n'y a personne qui va m'écouter. Et pour mon peuple, mais on entend quand même des applaudissements, c'est bien. Votre souffrance quand vos murs tremblent et que vos toits fuient, du moins quand vous avez un toit. Demain, il y aura un toit pour tous. Ah bah. Et des murs pour beaucoup. Nos efforts sont soutenus par nos camarades communistes. Chacun reçoit selon ses besoins et chacun participe selon ses possibilités. L'égalité pour tous, surtout pour ceux qui sont plus égaux que les autres. Tout à fait. Peuple de Tropico, ne parlez pas des prétendues puissances occidentales. Ce sont des sitios paranoïaques. Ah bah super. Qui accusent les autres d'espionnage. Leurs propres espions battront en retraite à câble de honte. Que pouvez-vous espérer des années qui viennent? Des meilleures maisons, des toits plus pontus, des murs plus droits, des fenêtres plus transparentes. Oui. La maison de demain sera construite selon les standards de Tropico. Votez pour le président afin d'obtenir l'avenir dont vous rêvez. C'est notre projet. Viva Tropico! Si. Voilà. Je vais regarder le prix du mausolée du coup. Ouais. Détruire mes commandos. Un petit peu relou hein, quand même de devoir détruire toute mon île. Alors, qu'est-ce que tu... Oui, j'ai fini le truc. Un jardin botanique. Bon, je vais te la faire, ta décharge. Attends, elle est là. Produit de la pollution. Voilà, faire loin cette décharge. Enfin, ça réduit la... Attends, ça fait quoi exactement? Les effets d'une décharge. Réduit la pollution des autres bâtiments à portée, mais produit de la pollution. C'est paradoxal. Je vais pas la faire en plein centre-ville. Je pourrais la faire là, cela dit. Il y a déjà une sorte de décharge. Mon pauvre labo qui n'est pas alimenté. Pam, pam, pam. Oui. Contenu sponsorisé. Indépendance des médias. On est dessus. Ça va arriver. Ah, je veux bien un porte-avions, mais attends, tu vois pas le prix. Et un asile. Donne 5000 pour un asile. Poète. Ouais.
sais pas où on en est au niveau du chômage. Almana. Population. J'ai que 12 chômeurs. 8 emplois vacants. Donc on est quand même assez... voilà, c'est... C'est équilibré, mais ce qu'il y a, c'est... Bah, on gagne pas beaucoup d'argent, quoi. On ne gagne pas de sous. Il faudrait gagner des sous. Moins 15 000. Ah, merci pour la décharge municipale, Presidente. C'est un bon moyen de revenir à la réalité. Ce parti se fiche totalement de la planète, Presidente. Je les ai vus teindre en vert des écuries roux et gris pour qu'ils soient plus égaux. Les pauvres petits n'arrivent même plus à se distinguer dans les arbres. Allez, on va peut-être faire... Hop. Mon petit jardin botanique. Il est où? Loisir. Mais il est gratuit, il faut insuffisant de gratuité, quoi. J'ai pas le plan. Super. Tous les détritus sont égaux en droit. Pam 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 pam. Les cargos, faut venir là, les mecs. Ah, 34 000. On va avoir des sous. Faut produire. Attends, peut-être qu'avec tous ces sous là. Alors, attends. Mausolée. Il est où? Je sais plus. Ah, je suis perdu. Là. 32 000. Il me faut encore un petit peu de sous. Tout à la tout gap. Pas mal de temps avant de pouvoir me faire de pognon. Alors attends. Sans abri, j'en ai 22. Deux aisés sans abri. Logement vacant. Pas tant de vacances que ça, quoi. Ah, là, il y a quand même de la vacance. Papa du dada. Toujours pas assez pour le... Oh là. Un tout petit peu de sous. Si. On la recherche, ça avance ou pas là? Contact. Camarade, sécurisez la communication. Alors, bon, j'accepte. Je vais transmettre les instructions codées dans un instant. Utilisez le livre de code orange pour le déchiffrer, sauf si le premier mot est rouge. Auquel cas, vous devez utiliser le livre bleu. J'espère que j'ai été clair. Oui, Nadia. Alors, hop. Réécrire l'histoire à la main s'il le faut. Alors attends, elle est où la... L'ambassade? La. Elle est là.
Je devrais arrêter, penultimo. Juste pour voir la touille, mais... Tropico va. Tu vas où? Tu fais quoi? Où est-ce que t'allais? Oh, regarde, j'ai déjà plus de sous, c'est terrible. C'est difficile d'être rouge dans ce jeu. Dépêche-toi, il faut à tout prix qu'on évite la crise aussi, hein. Regarde, je suis déjà à moins 8000. Oh là 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 là. Alors. Oh, on a terminé une route. Super. Alors. Bah, je vais en faire une nouvelle. Non. Voilà. Les exportations. Plus 26 pour le rhum, chocolat, cigare. On produit des cigares. On produit déjà du rhum. Donc rhum. On y va comme ça. On signe. Allez. Voilà. Toum toum. Dadou da dadou. Autre cargo, s'il vous plaît. Qui arrive avec 20 000 normalement. Peut-être que là j'aurai assez pour faire mon mausolée. Toum toum. Ah, je suis prêt à cliquer. Immédiatement ce canal. Le mot de passe est Bort. Nous avons 20 secondes à compter de maintenant. Top, je prends les sous. Allez, ok, c'est bon. Le mausolée qui offre des loisirs aux visiteurs et aux touristes. Je gagne de l'argent à la mort des citoyens richissimes. Mais bon, je ne pense pas avoir des richissimes sur mon île rouge. Je le mets à côté de mon palais. Voilà. Petite récompense. Il me manque que 3 petits communistes forts et. Alors. Ultimatum des capitalistes. Oui, quoi? J'ai fini ma recherche, c'est ça qui me prévient? Ah, non, tu vois, je sais pas pourquoi il m'a relancé là-dessus. Je sais bien que le temps passe pour les capitalistes. Doum, doum. Ils prennent leur temps, hein. Apparemment, c'est loin à construire un mausolée. Ça monte petit à petit, les communistes montent, très bien. Ça va encore influencer un petit peu plus. Voilà, étoile rouge, ça va influencer encore plus, tu vois. Le problème, c'est quoi? Avec la dépendance des médias, ça va pas m'aider, quoi. Après, j'ai tout le temps, il me reste 1000 jours quand même pour faire plaisir aux capitalistes. Ouais, je veux bien de l'aide hein, parce que là, le ça n'est pas. Voilà, merci. Là, ça va un peu plus vite. Il y
je suis sûr que les bons citoyens de Tropico voteront pour vous, présidente. Je compte bien voter pour vous plusieurs fois moi-même. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Allez, on a 60% d'approbation, donc bon... Nous avons réussi, président. Ah bah voilà. Tous les camarades ont de quoi satisfaire leurs besoins. Et nous travaillons tous ensemble pour le bien commun. Ah, le fameux bien commun. Rien ne pourra gâcher notre utopie communiste paradisiaque. Loué soit le camarade Marx. Nous vivrons heureux pour toujours car le rêve est à notre portée. Un nouveau parti, encore meilleur, avec du gâteau et des glaces pour tous. Le commissaire était un homme exceptionnel, à plus d'un titre. Mais pas un combat à main nue. Point plus bouche égale fin de partie. Ah, la taupe, c'était elle. Je suppose que vous aviez deviné depuis le début que j'étais l'informateur. Nous devons tous nous méfier des leaders ambitieux et impitoyables et... Oh, Presidente, j'avais oublié à qui je parlais. Bref, sans sa tête, le parti devrait disparaître et je pourrais prendre ma retraite sur l'une de vos plages. Presidente, l'heure est venue. L'informateur a frappé hier soir, neutralisant le commissaire du parti. Ce n'est qu'une question de temps avant que le parti ne s'effondre sous son propre poids. Nous devons prévenir tout le monde immédiatement. Développons rapidement vos médias, ô Presidente. Je crois qu'enfin un vrai système communiste apportera la paix et la prospérité à tous les travailleurs. Du coup, satisfaction moyenne pour la liberté de 80. 3 bâtiments médias. Il en faut 5. Ok. Alors, permets-moi... une légère petite sauvegarde quand même. Oulala. Oui, tiens, c'est bien. Ouais. Parce que là, c'est chaud. Ah, tu me diras, ça, pour la liberté, c'est pas mal, en fait. Ça va augmenter la liberté. Regarde, j'ai un peu de sous. Encore des journaux. Parce que les stations de radio, elles sont pas... elles sont pas alimentées. De toute façon, il faut de l'électricité aussi. Il faut de l'électricité partout, ici. Regarde là. Ça coûte que dalle un journal, c'est tellement bien. Et ici, parfait. Dis-moi que ça passe. Oh, crotte. Dis-moi que ça passe. Oh, non. Dis-moi que ça passe. Ou bien ça m'agace. Oh, mais c'est pas vrai. Là, on peut. Allez, là. Voilà. El Presidente, ne craignons pas la mort. Veuillez apporter des fleurs au tout nouveau mausolée dès aujourd'hui pour exprimer votre foi en l'immortalité de notre leader. Allez. Bon, la recherche là. Je sais même pas si je vais avoir le temps. Non, si, ça va aller. Bzz. Ce n'est pas passé loin, présidente. Bon, ça va. Certains citoyens ont besoin qu'on leur rappelle à quel point ils vous aiment. Mais 301 contre 162, ça va. Alors, les citoyens doivent commencer à travailler à l'âge de 12 ans, ils ne peuvent pas prendre de retraite. Oh là là, c'est triste ça. Augmente la satisfaction pour travailler tous les citoyens de 5. On va tenter. On va tenter d'améliorer cette... Presidente, je sais que vous tenez toujours vos promesses. Mais les citoyens de nos jours peuvent être très pointilleux pour définir ce qui compte comme une promesse tenue. 2880 jours. Ok. Si je valide pas, ça va pas aller. Écologie.
Pollution, on va peut-être pas polluer non plus. On va bien gagner des sous en fait, mais bon. Ouais, bon, allez. Voilà. Ça va augmenter ça. Je gagnerai des stations de radio. Youpidou, c'est bien, je peux pas l'extraire de toute façon. Alors, satisfaction du logement là, 52. Sympa. Ce n'est pas passé loin. Propico a cessé de commercer avec une super puissance. D'après le gouvernement, on ne peut pas leur faire confiance. C'est forcément vrai. Réduire la liberté. Diminuer la liberté de 10. Bah, on va repasser en esprit ouvert en fait. Voilà. Ok. Ça va réaugmenter la liberté du coup. Allez, mais pourquoi ça va pas si vite que ça? La bibliothèque là. Mais j'ai besoin de connaissances. Après. Donc j'ai un problème, Presidente. Oui, c'est foutu rouge, comment avez-vous deviné? Cette mission semble peut-être ne pas avoir de lien avec le communisme, mais croyez-moi, Presidente, tout est lié au communisme. D'ailleurs, la plupart de mes parents sont communistes. Mais ne vous inquiétez pas, je les ai bien enfermés. Sympa. Invité... oh... Désolé. Trop compliqué. Non, mais déjà, je m'étrangle dans le problème d'argent, là. Ah, recherche terminée, c'est bon. Stop, attends, chut, ralenti. Voilà. Augmente la liberté. Très bien. Et donc, indépendance. Contenu sponsorisé. Constitution. Je peux la réviser quand? Ah, j'ai fait une boulette. J'ai 2 ans pour le... Mais oui, mais... Je peux pas la réviser pour l'instant. Ah! On va devoir recharger, du coup. Pam, pam, pam. On va éviter de modifier, du coup. Eh, non! Données corrompues, je suis sûr que c'est la taupe. Mais, non mais c'est une blague. En vrai là, on viendrait au début de la partie, ce qui serait pas non plus très agréable. D'accord. Alors, les citoyens réclament des élections, président. Oui. Je vais juste réessayer quand même. Oh, c'est pas vrai. Je peux pas avoir perdu tout ça. C'est une toute petite mauvaise décision. Rien parce que je... Ça m'énerve là, la promesse. Votre président. Comment ça, c'est corrompu? Mais non! Mais non, c'est pas possible, enfin! Oh, c'est pas vrai! Bon. On y retourne en vitesse 3. Ça, c'est très embêtant. C'est pas normal. Les citoyens réclament. Oui, alors les citoyens réclament, du coup, je reconnais qu'il y a un petit problème avec le logement, tout à fait. Alors, vive les communistes, mais en même temps, pas gentils eux, et rien, j'améliore rien, parce que vous allez me saouler avec vos logements. Mon peuple, 4, et je fais mon mausolée dans 3 minutes. Pour tous les tropiciens vivants,
Et tant pis pour la décharge. Tout cela n'est possible que grâce à votre confiance. À la confiance que vous m'accordez à moi, El Presidente. Si. Et pour mon peuple, laissez votre souffrance quand vos murs tremblent et que vos toits fuient. Si. Nos efforts sont soutenus. Piège du Taj Mahal annulé. Camarades communistes, chacun reçoit selon ses besoins et chacun participe selon ses possibilités. L'égalité pour tous, surtout pour ceux qui sont plus égaux que les autres. Tout à fait. Peuple des Tropicaux, ne parlez pas des prétendues puissances occidentales. Ah non. Ce sont des idiots paranoïaques. On est dans une boucle temporelle comme Tropico 4. Leurs propres espions battront en retraite accablés de honte. S'en fout, c'est un baraquement. Pas une cahute. Non mais laissez la cramer. Ah. D'avoir fait de moi ce que je suis. Je suis fier d'être votre présidente. Viva Tropico! Mille, ok. Je regarde les sous-sous. Les ennemis de la liberté sont partout. Même là où... Non, je m'en fiche. Allez, putain. Ah non, 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 on va pas me le faire 10 fois, non mais. Bande de fripouilles. Encore, mais arrêtez avec le feu. Ah oui, là c'est un peu plus embêtant. Ah, tu peux crier, oui, effectivement, il y a le feu. Ah, le feu. Revenu 30 000 là, ça me plaît. Leve-la, 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 leve-la. Ah oui, route terminée. J'avais dit que je prenais le rhum. Plus 26. Tac, je signe. C'est bon. C'est bon. Hop, construction, le mausolée, c'est un peu trop juste, c'est ça? Ah, je vous jure quand même, c'est un peu trop juste. Encore un petit peu de sous. Autre bateau. Autre bateau qui arrive. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Et c'est bon. Pouf. Allez. Oh. Oui, oui, je sais. Je ne touche pas la constitution pour l'instant. Ah non mais je vous jure. Ça me fait peur quand même cette sauvegarde que je pouvais pas reprendre. Alors que je termine la mission là pour être sûr qu'on puisse continuer. Parce qu'imagine imagine ça redécolle après. Je pourrais pas reprendre, ce serait dommage. Cargo avec des thunes, très bien. Que les bons citoyens de Tropico voteront... Non, ils peuvent voter librement. Ça va. Camarade, lisez ces instructions codées, puis brûlez le communiqué et avalez les... Oui, oui. Je devrais m'offrir quelque chose comme un deuxième palais. Oui, t'as raison. On a les moyens. On a vraiment les moyens en ce moment. Réussi, présidente. Voilà. Oh, méchante. Présidente, l'heure est venue. L'informateur a frappé hier soir. Oui. Neutralisant le... Alors, ralentis un tout petit... Ah bah j'ai plus de sous de toute façon. Hop. Allez. Bouge tes fesses. Ce n'est pas passé loin, présidente. C'est un peu moins. Alors ça, j'y touche pas pour l'instant. Je veux bien que ça remonte. 35 000, c'est bien. Ok, bien. Hop, 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 hop. Tu vas me faire un petit journal. Voilà, on va la remettre au même endroit. Brouillez immédiatement ce canal. Oui, 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 oui. Je brûle tous les canaux que tu veux. Bon, allez, je mets là. Du coup, on passe au...
Attends, recherche, est-ce que c'est bon? Pas encore. Qu'est-ce qu'ils attendent? Esprit ouvert. Et esprit ouvert, voilà. Combien ça coûte une centrale? Pas si cher que ça en fait. J'ai pas de mine. Ah, ici, aurait du charbon. Ah, mais si, là, j'ai extrait du charbon. Je le pourrais mettre éventuellement une centrale. Là, j'ai les moyens. Ça devrait m'aider pour la liberté. Voilà. Je vais quand même sauvegarder sans recharger parce que j'ai pas envie de reperdre tout. On marche sur un fil. C'est tendu, 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 tendu comme un string. Ah, plus de sous à nouveau. Ah, une route commerciale terminée. Ah mais oui, j'ai mis une toute petite Rome. Fallait que j'agrandisse. Voilà, plus 26, voilà. Tac, allez. On voit 1 milliard. 1 milliard de tonneaux de Rome. Voilà. On attend le charbon. Camarade, sécurisez la communication. Non mais t'es une vilaine toi. T'es une vilaine. J'abandonne la quête. Stock vide. Amenez du charbon. Ah voilà, ralenti. Indépendance des médias. Ok, et du coup c'est contenu sponsorisé sur la constitution qui augmente les revenus des bâtiments sociaux médias de 98%. Ok. Et là on va mettre peut-être pas retoucher là. Parce que bon, ça va. Oh allez, on sait jamais. Retraite anticipée, satisfaction de travail, je peux avoir des stations de radio du coup. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, Presidente. Voilà, tu vois. Ultimatum encore, non, c'est pas vrai. Tu veux un terrain de golf? C'est pas vrai, c'est pas vrai, il est où ton terrain de golf? Couvre le plan en plus. En gros, ouais, j'en ai pour 20 000. En recherche, un truc intéressant en recherche peut-être. Essai nucléaire. Genre 60 000. Réputation qui diminue. Allez. Ça fera des sous. Mururoa, nous voilà. Ah bah attends, terrain de golf.
tiens là. Allez, pouf, j'en remets un. Qui remporte la guerre froide? Une émission spéciale de Canal Uno donne la réponse. El Presidente. Nous n'en avons jamais douté. Il y a des cahutes. Faible qualité. Qualité moyenne. Se détériore par contre au fil du temps. Bon, je vais mettre une cage à lapin et on en mettra d'autres un peu plus huppés après. Faut déjà loger les gens. Non mais tu rigoles, pourquoi il n'y a pas de charbon depuis tout à l'heure? Elles foutent quoi les mines là? Je vais en refoutre une, hein. Hop. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je t'en prie. C'est bon, on se calme sur les revendications. Alors, liberté. Esprit ouvert. Y'a pas un truc qui augmente encore plus la liberté? Diminue la liberté, diminue la liberté, diminue. Réduit la liberté de 20, de 30 carrément, ouais. Augmente la qualité du service de tous les bâtiments de loisirs. Allez, hop, tac. Salutations, Presidente. Non, et bonjour, tu me saoules. À toutes les... Bonjour, bonjour. Méga liberté. Alors, attends. Ça coûte cher. Particulièrement efficace sur les enfants et les retraités. Augmente la beauté. Je peux pas en remettre une, enfin. 4100 pour le plan. Après j'aurai pas assez pour l'autre truc. Je remettrai un journal. Regarde, ici je peux en remettre un encore. Voilà. Là, je peux le détruire. Personne qui veut y vivre, hein, je vais pas le laisser sur pattes. Je vérifie. Attends, logement. Un appartement. Parce que, regarde, déjà il y a des cahutes là encore. Ma belle banque qui était là et tout. Oh là là. Devons-nous avoir peur du choc de l'avenir? Canal Uno a déterminé qu'il était impossible à la technologie d'échanger trop vite pour les humains. Je me sens mieux. Plus de sous. Ah, attends.
Voilà. Ah, vous allez me faire des journaux, mais partout, quoi. Voilà. Par contre, qu'est-ce qui se passe? On est un peu moins content. Almana. Ah, mince. Bon. Santé, ça va. Loisirs, mais... La foi. Oui, ben, ils m'ont fait faire des conneries avec la foi. J'ai plus de sous. Je vais remettre des églises. Non, peut-être pas en construire d'ailleurs là, à cause de mon état athée. J'essaie de remettre des chapelles, des églises et des machins. Ah, du temps avant d'avoir des sous. Qu'est-ce qui a été trop loin ? Ah, ça aussi, je pouvais améliorer pour augmenter la... Voilà. Maintenant, j'ai juste hâte de faire mon essai nucléaire, là. Hein. Boum ! 100 000, je relance l'économie. Tant pis si les gens sont pas contents. Ah, attends. Désactiver, ouais. Bah ouais. Bon. Almana. Je vois qu'il y a un problème de foi, effectivement. Logement. Il y a beaucoup de sans-abri, hein. Où est-ce qu'ils sont pour la plupart ? Là, il est cahute. Indigent. Ok. Travail. 33 chômeurs quand même. Faut qu'on fasse un truc pour les logements. Ok. Baraquement. Ici, il y en a un. Il y a des cahutes. Faible qualité, basse qualité, écoute, c'est le même, sauf que là on peut en mettre plus. Pas la place. Voilà. Peut-être aussi du côté des comment dire, là, des mines. Oui, bah oui, forcément. Voilà. Et par ici aussi, tu vois. Ok, et là aussi, pas de problème. Ok. On va voir avec tout ça. Usine de cigares, est-ce qu'on peut améliorer? Allez, on produit plus de cigares. Production réduite de 20%.
Est-ce qu'on est assez près de la centrale là? On va faire beaucoup plus de cigares. Distillerie. Ok. Boum, 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 boum. Qu'est-ce que je pourrais faire en industrie qui me rapporterait des sous? Une tannerie. J'en ai pas du tout, je crois. Il devrait être le nombre de bâtiments qu'on a dans le coin. Parce que bon, je vends des pommes, autant vendre du cuir, hein. Camarade, lisez ces instructions codées, puis brûlez le communiqué et avalez les cendres. Elle me saoule avec son truc d'espionnage là, mais du coup. Bon, ça va, les relations sont à 100. Ta-ta-la-ta-ta. Ta-ta-la-ta-ta. Je me tâte quand même. Juste un petit baraquement. Voilà. Allez, éventuellement deux si ça passe. Ça passe pas. Eh ben, j'en mets pas. Ouais. Ouais. Bien fait de mettre un appartement ici. S'il n'y a personne, on détruit. Non! Les pompiers, s'il vous plaît, au feu! Almana! Logement, ça remonte? Tu parles. Elle est raccordée avec l'électricité, hein. Allez, pompiers, c'est bien. Allez, la liberté, là. On va voir à quel point ça monte, la liberté, d'ailleurs. Ah, ça re-ralentit. Super! Je vais refaire une bibliothèque qui augmente les libertés avec le portfolio approuvé là. Non, justement, pas le portfolio approuvé. Alors, route terminée. Des cigares. Eh bah, oh, je vais reprendre les cigares parce que là, je suis en train d'en produire davantage donc. Ah! Ah oui, non, c'est avec les occidentaux. Voilà. Cigares là, 18 000. Pouf! C'est bon. 10 000. Oh non, pas encore. Attends. Améliore la qualité, diminue la pénalité de criminalité, augmente le coût d'entretien de 12%. Tac et. Tac. Oh purée. Je suis trop loin. Pas le choix. Hein. Voilà. Et dis-moi qu'il reste assez pour une toute petite bibliothèque. Négociant, qu'est-ce qu'il propose ? On m'appelle le négociant. J'avais un vrai nom par le passé. Oui, oui, plaisir de vous rencontrer. Tout est de la meilleure qualité, bien sûr. Stimuler le commerce, créer une nouvelle proposition. Alors attends, compte en Suisse, regarde, j'ai plein de sous. Déverrouiller, voilà. Rafraîchir, voilà. Je suis venu voilà. Vous voir dès que cette offre s'est présentée, Presidente.
Qu'en pensez-vous ? Usine de joaillerie. Ah, pas mal. Une option pour activer les requêtes. C'est pas mal. Exporter du chocolat, j'en ai pas. Fait 2 000 $. Oui. En même temps, j'en ai besoin juste pour... Oh non ! Si j'arrive à la construire... Il faudrait faire des bijoux avec mon or. Et ça, ça me rapporterait beaucoup plus que l'or. Ah ! Attends. T'entends en même temps. Où est-ce que je pourrais la foutre cette usine ? Je la foutre là. Et il me reste peut-être assez de sous, je pense pas. Crotte. Allez ! Dans 5 mois. Non mais là je suis très content avec mon usine de joaillerie, ça devrait booster mes revenus. Camarade, lisez ces instructions codées, puis brûlez le communiqué. Tu me saoules, sérieux. Ah, je veux bien mes 2 stations de radio, sauf que là, franchement, depuis tout à l'heure, satisfaction au travail, que dalle. Ça monte pas. Peut-être pas le moment de diminuer la... Allez. Moins 33 000, regarde les sous qu'on perd. Dépêche-toi de découvrir ça. Ah, voilà. Dépêchez-vous de faire des bijoux. Voilà. La satisfaction au boulot, hein, c'est pas une très bonne idée. Poum, poum, poum. On va foutre une bibliothèque ici. Alors. Un peu de sous. Quoi? J'ai plus de commando. Merde. Super. Super, il manquait plus que ça. Eh ben, on est bien rouge, hein. Vas-y, j'arrive pas à recharger la sauvegarde. Comment je vais faire? On fera un nouveau scénario la fois prochaine, c'est pas grave. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle impôt permettant aux citoyens de payer plus pour bénéficier d'un traitement de faveur pendant les fouilles au corps et les perquisitions. Attends, je vais mettre une bibliothèque là-bas. C'est un peu négligé ici. Voilà,
Et peut-être, je sais pas, peut-être un truc de défense quand même au cas où. Mais ça servira à rien en fait parce qu'ils pourront pas. Réduire la liberté. C'est pas vrai. Vous pouvez pas m'aider. Elle la veut, hein, son truc d'espionnage. Gouvernement, école d'espionnage. École d'espionnage. Où est-ce qu'ils l'ont foutu? Raid, c'est un raid. Ouais. Mon parking, ils veulent détruire mon parking. Et mon bar à cocktail. Non, mais ils sont fous, ces Américains. Et mon arrêt d'autobus. Bande de zinzins. Les ruines. Vous allez ruiner les ruines. Je voudrais plus de bijoux, hein. Ils vont niquer mon palais. C'est pas très gentil. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'achète ça. J'aurais dû le faire avant. Oh, purée. Les unités seront jamais assez entraînées pour résister. Hein? Pourquoi? Parce que je suis en pleine attaque, donc forcément. Ah, en plus j'ai fini mon truc. Un truc qui augmente la liberté. Tri obligatoire des déchets. Liberté, liberté, liberté. Voyons voir, est-ce que je peux augmenter un truc de liberté quelque part? Mode de fonctionnement, je sais pas si ça peut augmenter. C'est une télévision peut-être. On semble avoir l'avantage. Ce qui est un petit peu bizarre. Mais bon. Recherche terminée. Bon, bah tant mieux. Je sais pas si on peut augmenter le. Soixante-quatre en liberté là. Un incendie en plus. Attends, ils sont partis? Non, ils sont pas partis. Ils sont disparus là. Il n'y a plus qu'une poubelle à la place. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait augmenter liberté de 15%? Bah, mais non, c'est le contraire. Réputation de 20 lors de l'activation. Réception.
C'était mieux avant, ils portent des vêtements démodés. Dictée de Penultimo, réception de l'ambassadeur. Ah non, pas ma ferme. Flûte alors. Toujours pas d'or. Oh putain, laisse-moi réformer. Alors attends, je vais très très simple. 1, voilà, décret, baboum. Envie de gagner un peu d'argent rapidement? Les superpuissances sont prêtes à payer cher pour mener quelques tests nucléaires. Les populations indigènes seront ravies de participer. Surtout quand on leur aura expliqué que les radiations rendront leur peau plus lisse et qu'elles n'auront plus à aller chez le coiffeur. Tout le monde sait que nous sommes dans l'ère atomique et nous ne voulons pas que Tropico soit à la traîne, non? Ouais, alors. Aussi. Oula. Est-ce qu'on le voit au loin? Ok, par contre, du coup, avec tout ça. Média. Ok. Ok. Voilà. Fuc. Depuis chez vous avec un petit miracle, la liberté qui augmente et puis pif paf pouf on termine. Ce serait drôle. Allez, plus le temps. Feuilleton de télé. Diminue la liberté. Y'a rien qui augmente la liberté encore plus, hein, même en payant. D'espionnage. Papadam. Ok. Bon, je te laisse finir à la main. Hop. Cahut partout. Ah bah ça y a de l'or enfin. Des petits apparts. Ouais, peut-être pas ce dont on manque le plus en fait. C'est peuplé à fond, au moins, ça c'est bien. Épicerie. J'essaie
d'améliorer un petit peu le cadre de vie aussi, parce qu'on est tombé à 16 en soutien quand même, là. C'est la joie. La guérilla attaque. Ok. Bien. Liberté, c'est le moment. Hein. Si tu veux booster d'un coup, ce serait parfait. Qu'est-ce qui augmente encore la liberté? L'approbation. Je vais remettre une station de télé. Une là. On va la mettre de ce côté-là, du coup. Électricité. Moins 80. Oh là là. Dépêchez-vous là. Priorité élevée. Bon, pour l'instant, ça tient. Je ne sais pas par quel miracle. Espionnage. Fais-moi... Allez. 4 pillages comme ça. Ah, une recherche. Allez, alimentation alternative. Équilibrez-moi ce réseau. On manque d'or. Victoire ? Eh ben... Rajouter des petites conneries comme ça. Ah mais ça, ça diminue la liberté, les postes de contrôle au fait. J'en ai foutu plein. J'avais complètement oublié. Ah bah oui, là forcément ça a bien marché. J'espère que ça va passer la... Écoute. Ça se trouve. Voisin, vous avez raison. Il y a des traîtres tropicaux dans tous les coins. Soyez vigilants. Signalez immédiatement tous les comportements anti-tropiciens. Oui, ça va arriver, l'énergie, ça va arriver. Ils aiment pas les parkings, hein. Est-ce qu'il y en avait encore? Je me sens qu'il y en avait 4 des postes de contrôle.
Là, au moins, on gagne des sous, c'est bien. Tam, tam, tam. Voilà, c'est bon, équipe du réseau, plus de 130, parfait. Je me le fais rapidement. Parfait. Beaucoup non censuré, voilà. ...74/80. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. 75/80. Méga liberté, là, sur cette... Regarde dans les décrets, éventuellement. Guerre mondiale, prêt d'état. Ah, c'est. Quelle chance que nous Ah, bah voilà! Je peux le publier. 10 000 les coûts de construction de tout le bâtiment. S'il le fait que la bêtisation. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de. Même pas du tout, on peut le dire. Ah mince. Je sais même pas si j'ai des... J'ai pas de truc d'ananas, mais c'est pas grave. Tata la tata. Ok, ok. Industrie. Une tannerie, je crois que j'en ai pas. Tout, 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 tout. Une petite taverne. ...77. Allez. J'espère que c'est la fin après, hein, parce que franchement, on se donne du mal. Tiens, regarde ici aussi. Disons droit. Les citoyens réclament des élections, Presidente. On dirait qu'ils veulent choisir comment être dirigés. Quel égoïste. Alors, je reconnais qu'il y a un problème pour la foi, ça très clairement. On va louer les communistes, comme d'habitude. J'accuse personne parce que j'ai pas envie encore de me faire poupouiller la tête. Et je vais promettre une amélioration en liberté, tiens, voilà. Mes de toute façon, je vais amis, le faire. Vous êtes les braves. Ceux pour qui Allez. Aucune difficulté n'est insurmontable. Avance. Des vrais tropiciens. Vos peines seront récompensées. Après encore quelques petits efforts. Votre présidente sait que vous avez la foi, qu'il vous faut des endroits où prier, confesser bah oui. vos péchés et faire une petite sieste avant la communion. Dieu est partout. Mais il n'est pas conseillé de l'adorer à l'extérieur pendant la saison des ouragans.
Nos efforts sont soutenus par nos camarades communistes. Chacun reçoit selon ses besoins. Et chacun participe selon ses possibilités. L'égalité pour tous, surtout pour ceux qui sont plus égaux que les autres. J'entends certains s'inquiéter des menaces pesant sur nos libertés fondamentales. Et je vous assure qu'elles seront vaincues. Je vous promets des libertés inimaginables. Vous ne saurez même plus quoi faire d'une seconde sur l'autre. Et moi non plus. Votez pour le président afin d'obtenir l'avenir dont vous rêvez. C'est notre projet. Viva Tropico. Il fait rire à chaque fois qu'il le dit. Alors j'ai dit ok pour le terrain de golf. Par contre, j'aimerais bien mettre un asile juste à côté. Voilà. Petit raccordement électrique là, ce serait bien. 79. Équilibre du réseau. Plus 130, très bien. Petite fête nationale. Bon, le budget n'était pas super équilibré hein, sur cette partie. Mais en même temps. Les nouveaux médias publient notre propagande anti-parti 24 heures sur 24. C'est comme au bon vieux temps, Presidente. Le vrai travail commence maintenant. Oh non. Ah, Presidente, c'est un plaisir de vous revoir. Le parti est en déroute. Et les soviétiques retournent se terrer dans leur trou. Il y a un dicton chinois, Presidente, qui dit que le chien est plus gros que le chat en raison de ce qu'il mange. La traduction ne sonne pas aussi bien, et la traduction de la traduction encore moins. Mais ça veut dire que l'ère chinoise du communisme mondial a commencé. Votre soumission est particulièrement désirable. Bien entendu, il est normal que l'histoire soit écrite par les vainqueurs. Il n'y a qu'à Hollywood qu'elle est filmée par les vaincus. Ah, nous avons créé le meilleur des mondes, même si ce ne fut que brièvement. Mais soyons humbles et discrets. Évitons de rappeler que des dirigeants impitoyables et ambitieux peuvent être manipulés par leurs proches. La seule ambition de votre loyal penultimo est de vous servir. Ah. Eh ben, c'était sportif. Ah là 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 là. Eh ben, on a bien fait de s'accrocher. On pourra lancer une nouvelle partie, du coup, une nouvelle mission. On a réussi celle-ci, on a réussi celle-ci. Bah ben voilà. La fois prochaine, on va avancer dans la chocolaterie. Tac 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 tac. Bon, il nous reste du boulot, hein. On joue en normal. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cet épisode de Tropico 6. Je vous invite à aller voir mes autres let's play, notamment Anno 1800, par exemple, hein, dans la même veine qui pourrait vous plaire. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre pour choisir deux fois par mois des let's play. Si vous aimez Tropico 6 et que vous voulez plus d'épisodes, ben, vous me rejoignez et vous votez à Tropico 6, Tropico 6. Et si vous voulez me soutenir sans dépenser un sou, mon dieu. Non, c'est bon, ça... vas-y, voilà, c'est bon. Et ben, vous allez sur Utip, le lien, tout simplement, est dans la description. A très bientôt pour la suite de Tropico 6. Ciao, penultimo.